fait plaisir ce soleil. Tu vois, ça faisait un bail mine de rien qu'on n'avait pas eu de soleil. Bah tu sais, c'était l'hiver chez nous. Et c'est vrai qu'à Melbourne, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais tout le temps en débardeur et tout, puisqu'il faisait un temps de malade. Et là, ça revient à peine quoi. Ouais. Bon, du coup, je m'étais fait un programme pour aujourd'hui. Là, je voulais aller lire un livre. Je suis en train de lire un livre sur la vente et sur comment bouger les gens en fait. Mais je sais pas, genre, je pense que j'ai passé trop de temps sur YouTube. Et maintenant, j'essaie vraiment, tu sais, de prendre du recul avec tout ce que je regarde, tout ce que je lis et tout. Tu vois, de pas trop m'impliquer dans les projets. Je pense que c'est vraiment à 100% bénéfique dans le sens où je suis quelqu'un qui se met vachement à fond dans ce qu'il fait. Et à tel point que des fois, tu sais, ça me prend un peu trop la tête, ça me... Je sais pas comment dire, ça me... En anglais, il y a une bonne expression qui s'appelle overwhelm, tu vois, ça me prend toute la tête, quoi. Et donc là, tu vois, j'ai un peu trop regardé de vidéos ou je me suis un peu trop perdu. Cet après-midi, je vais vraiment me consacrer à juste moi, tu vois. Là, on va faire les courses, du coup, je vais t'emmener à Chinatown. Je vais peut-être te montrer aussi l'appareil photo, là, dont je te parle, tu sais, le Canon EOS M6. Je vais peut-être l'acheter, je sais pas. Mais non, je sais pas, on verra, on va voir ce qui va se passer, tu vois. Et après on va aller faire du sport quoi. Mais tu vois, c'est vraiment bien. Maintenant je prends vraiment cet équilibre de truc mental, mais aussi apprécier la vie, apprécier le soleil, apprécier, tu vois. Je profite, tu vois, je suis bien quoi. Et c'est super important de faire ça, surtout quand t'es quelqu'un qui te met, tu vois, qui est vachement concentré, qui est vachement enthousiaste dans les projets. Parce que quand tu consommes trop, ben tu dégueules quoi, tu vois, genre... Quand t'en fais trop rentrer, après y a tout qui sort, mais puissance 10 000 quoi. Bah tu vois, je viens de demander le prix, c'est genre 1299. Avec le kit principal, donc c'est de toute façon en magasin c'est toujours plus cher, tu sais, que si tu l'achètes sur internet, donc ça va devoir attendre, mais un jour je me l'achèterai, c'est sûr, tu vois. Ça fait longtemps que je changeais de caméra, mais j'arrivais pas à trouver le modèle qu'il me fallait, mais ouais, ça va se faire quoi. Mais 1299, sachant que, tu sais, j'aimerais changer d'objectif, j'aimerais bien avoir un objectif grand angle, et ça va taper tout de suite dans les 400 dollars en plus, donc bon. On verra quoi. Bon allez, là on va faire les courses, on va se rentrer, je vais faire du sport. On va faire tout ça en mode time-lapse, tu vois. Tu vois, il y a un truc qui est vraiment super, c'est que dans les magasins en Australie, t'as des distributeurs de noix, tu sais. Alors je sais pas s'il y avait ça en France, peut-être qu'il y en avait, mais je faisais pas gaffe. Mais en ce moment, je me prends toujours ça, tu vois, des petites noix et tout, tu les pèses, tu les payes. Et c'est super bon, quoi. Bon, là, il y avait un mix avec du chocolat, donc voilà, mais sinon, d'habitude, tu peux prendre des cacahuètes sans sel, des noix de macadamia, plein de trucs sympas, quoi. Salut, et tu vois là on se retrouve sur la HD cam, ça fait un bail que j'avais pas filmé sur la GoPro. Et t'as vu, hier on s'est fait un petit peu plaisir, on est sorti là le soir, on est allé boire un verre. C'est un truc que j'ai vraiment pas fait souvent en Australie, boire un verre. Tu sais, moi j'étais un gros fêtard en France, tu vois, mais c'est vrai que ici j'ai pas eu trop l'occasion, sauf avec Nico des fois. Tu te souviens Nico, l'allemand là que j'ai rencontré à Melbourne, enfin à Sydney. Et des fois on est allé, enfin une fois on est allé à une fête de Noël organisée par la boîte de déménagement dans laquelle je bossais. Et là on avait bu un petit peu, je suis désolé, je sais pas du tout si la caméra bouge un petit peu ou quoi, ça va peut-être être un petit peu shaky, tu vois. Mais je vais essayer de t'emmener dans un parc si j'ai pas fini de te parler jusque là. Mais ouais, du coup ça fait du bien quoi, genre moi je me suis pris un petit Jack Daniels avec du coca, tu vois, le tout sur glace, ils disent on ice ici.
Et Léal s'est pris un cocktail, je sais pas quoi, un truc à 20$, mais c'était super super bon, tu vois. Enfin bon, bref. Et ouais, c'était bien sympa, quoi. Du coup, ouais, je remets des petits shoots de vlog, tu vois, en mode comme ça. Et ça fait du bien. C'est bien de se refaire un peu la main dans le montage, des fois, tu sais. Je sais pas si ça t'arrive, mais tu sais, des fois, tu deviens bon dans un truc, peu importe, hein, ce que c'est, mais et puis au bout d'un moment, tu t'en lasses, tu sais, je sais pas, tu fais de la guitare, ou tu fais des arts martiaux, ou tu fais de la vidéo, ou tu cours et tout, de la muscu même. Et puis tu te dis, ouais, moi j'en ai fini avec ça pour toute la vie et tout. Et puis un jour tu te réveilles et tu te dis, putain, j'aimerais bien en refaire quand même. Donc c'est des choses au final, tu vois, quand tu investis du temps dedans et quand tu investis de l'effort, tu vois, pour devenir meilleur. Mine de rien, c'est des choses que tu perds un peu. Attends, je vais me faire écraser là. C'est des choses que tu perds jamais, tu vois. Donc en fait, c'est marrant, mais ça montre que tout ce dans quoi tu investis du temps, mine de rien, à partir du moment où tu investis sur toi, c'est jamais quelque chose de perdu. Ça te resserre forcément un jour, quoi. Et ouais, c'est incroyable. C'est une bonne leçon de vie, ça, moi, je trouve, tu vois. Et aujourd'hui, je voulais revenir un peu sur un truc que j'avais dit dans la vidéo où je te parlais de mon sac. Tu sais, j'avais dit à la fin de la vidéo qu'il fallait, que je trouvais que c'était important d'investir dans ses passions et d'investir dans du matériel quand on a quelque chose qui nous passionne et qu'on sent qu'on pourrait faire mieux, en fait, tu vois, si on avait du meilleur matériel. Et qu'à partir de ce moment-là, c'était important d'investir dans du nouveau matos, même si ça coûtait cher et tout. Enfin, je sais à quel point le matos, ça coûte cher, tu vois, mais c'est important des fois de s'acheter une meilleure caméra pour être un peu plus satisfait de ses vidéos, ou un meilleur micro pour être un peu plus satisfait de ses podcasts, ou un meilleur sac pour être un peu plus satisfait de sa façon de voyager, tu vois. Mais y a un revers de la pièce, tu vois. Y a une autre facette qui est aussi très importante à comprendre, et que je pense que le voyage est une super façon de comprendre ça. C'est que des fois c'est vrai, des fois on n'a pas les moyens, tu vois. Et des fois on n'a pas les moyens, des fois on a juste pas l'argent à investir, ou on a juste pas le temps à investir, ça dépend de quoi on parle, tu vois. Et des fois il faut juste se débrouiller avec ce qu'on a. Et je pense que c'est, les deux, en fait, sont les deux aspects sont des choses qui sont aussi importantes à cultiver l'une que l'autre, dans le sens où on est souvent entre les deux, tu sais. C'est soit on est, on soit on a soit on a peur de soit on a peur d'investir, ou soit on n'investit pas, tu vois, dans ses passions, soit on décide de pas acheter ce nouveau truc qui nous permettrait de faire mieux. Soit on n'a pas le choix, on n'a pas l'argent, tu vois, mais on décide pas quand même de faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font rien, en fait, tu vois. Et en fait, ça montre que, enfin, il y a deux extrêmes. C'est-à-dire que c'est bien d'investir dans du matos, et c'est la première chose à faire à partir du moment où on a de l'argent qui se dégage, de l'argent dispo. Attends, je traverse un coup. Tu vois, je pense que c'est important d'investir de l'argent dans des trucs qui nous passionnent dès que la possibilité se dégage. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir la mentalité en mode il faut faire avec ce qu'on a, tu vois. Et tu sais, moi j'ai commencé à faire des vidéos avec un vieux caméscope, mais vraiment les vieux caméscopes, tu sais, les trucs ovales là, les trucs qui ressemblent à que dalle, qui avaient une vieille qualité. Enfin, tu peux regarder d'ailleurs encore aujourd'hui, je pense. Mes toutes premières vidéos à Agen et tout, c'était celles sur un vieux caméscope. Mais tu vois, il faut faire avec ce que t'as. C'est-à-dire que si t'as pas les moyens financiers, faut pas chercher plus loin. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que, tu sais, il y a plein de gens qui s'arrêtent au fait que, ah ben moi j'ai pas les moyens, je fais pas, tu vois. Mais il y a toujours un moyen de le faire, si tu veux. T'as juste pas les moyens de t'acheter la version supérieure, ou t'as juste pas les moyens de t'acheter ton outil idéal, mais t'as toujours les moyens de commencer avec quelque chose. Et ça, c'est tellement important, tu sais. Comment, tu vois, si les gens qui regardent, je sais pas, par exemple ma vidéo, tu vois, que j'ai fait sur les sacs là, tu peux pas regarder ma vidéo sur les sacs en regardant tous les sacs que je propose et te dire que parce que t'as pas l'argent de partir, ou parce que t'as pas l'argent de t'acheter ce sac là, tu peux pas partir tout court, tu vois. Je suis pas en train de te dire qu'il faut s'acheter ce sac là pour partir, je suis en train de te dire que celui-là est pas mal. Mais si t'as pas l'argent pour t'acheter le bon sac, ben tu pars quand même, mais avec un autre sac. Regarde-moi le sac avec lequel je suis parti. C'était pas le meilleur du monde, c'était pas le pire non plus, tu vois. C'était un sac de rando qui était pas prévu pour le voyage comme ça, qui était un peu ancien.
Mais tu pars quand même avec, tu vois. Si t'as envie de faire de la vidéo, mais que t'as pas les moyens de t'acheter un Canon G7X ou un Sony RX Mark 4 ou Mark 3 ou une GoPro, tu vois, tu fais quand même. Regarde, moi je suis en train de filmer là sur un truc, on dirait une GoPro, mais c'est une SG Cam. Et j'ai acheté ça pour mon road trip, tu sais, en moto. Je voulais absolument avoir une caméra sur laquelle je pouvais filmer. Mais j'avais pas l'argent pour faire. Y a un petit qui me regarde là. Enfin, je suis entouré par des gosses. Say hi, guys. Yeah, it's on YouTube, guys. If you want to say something. Tu vois, je pouvais pas. J'avais pas l'argent pour m'acheter une GoPro, mais j'ai acheté ce truc là. C'est une réplique qui s'appelle SG Cam ou quoi. Et j'ai fait avec, tu vois. J'ai acheté ça quoi, 60, $70. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment un état d'esprit à cultiver. Et je pense que ça c'est une des raisons pour lesquelles je vendrais vraiment le voyage. Tu vois, pour lesquelles je dirais vraiment qu'il faut voyager. Je sais pas du tout ce qui se passe derrière moi. Ça doit être marrant. On va regarder ça au montage. Mais tu vois, si t'as l'impression qu'aujourd'hui t'arrives pas trop à te lancer. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu du mal aujourd'hui à se lancer dans un projet, soit parce qu'ils ont la frustration de ne pas avoir l'argent qu'il faut et qu'ils ne peuvent pas s'acheter les trucs dont ils auraient besoin dans l'idéal, soit parce qu'ils n'ont pas assez cultivé ce côté que tout le monde peut cultiver, parce que c'est quelque chose qui est vraiment accessible, mais ce côté un petit peu débrouillard, tu sais, tu fais avec ce que t'as, tu rassembles tes ressources, mais sur le chemin, tu vois. T'attends pas d'avoir tout ce qu'il te faut dans l'idéal pour pouvoir commencer. Et ça, c'est un truc, tu vas voir quand tu vas partir voyager. Je vois qu'il y a vraiment plein de personnes qui... Merci d'avoir commenté d'ailleurs la vidéo d'avant. Il y a plein de personnes qui vont partir en voyage. Et si c'est les premières fois, vous allez voir, ça va être un truc de fou. Mais il y a vraiment ce côté magnifique dans le voyage où en fait, tu apprends à faire avec ce que tu trouves sur la route. Moi, ça m'est arrivé des tonnes de fois de chercher, de trouver des fringues dans des trucs pour la Croix-Rouge. Mais des trucs, tu vois, c'est un comportement qu'on qualifierait de clodo, tu vois, en France. Mais quand tu fais ça en Australie, enfin, moi, j'ai trouvé des tonnes de fringues. Mon road trip en moto, tu sais, je suis arrivé, j'avais pas le permis en moto. Je me suis dit, un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, putain, c'est le moment, il faut que je le fasse. Le permis coûte $400. J'ai tout fait en mode débrouillard, tu vois. Je me souviens une fois, du coup j'avais réservé mon cours pour la moto-école, tu vois, un jour pour passer le permis. Et c'était hyper loin de chez moi, tu sais, c'était à Melbourne. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mon skate et j'y suis allé comme ça, il n'y avait pas de bus qui m'y amenait. J'ai pris mon skate, j'ai pris mon skate et j'ai tracé. Et à un moment, je voyais que j'étais 10 minutes, j'allais être en retard en fait. Et sur le site, il y avait vraiment marqué que toute personne qui est en retard est sujette à pas passer l'examen et pas suivre les cours. Et j'arrive à un feu, tu vois. Et sur la droite, je me rends compte que je vais pas y être à temps, tu vois. Et sur la droite, il y a ce mec là en camionnette qui est juste arrêté là au feu rouge. C'est une camionnette un peu d'usage, tu sais, une camionnette pour les travaux, un truc pro quoi. Et je me dis, si je fais pas un truc, si ce mec je lui demande pas, si je tente pas ma chance, je vais arriver en retard et je vais jamais passer mon permis. Et j'avais déjà payé en plus, c'est ça le truc de ouf. Et je pourrais pas faire mon road trip en moto. Du coup, le mec au feu rouge, je toque pas à la fenêtre et je lui dis, écoutez monsieur, je dois passer mon permis moto, mais je vais jamais être à temps. C'est juste au bout de la rue là, mais si vous m'amenez pas, je rate tout quoi. Genre j'ai déjà dépensé $400 et j'ai juste besoin d'un petit lift. Vous êtes pas obligé de dire oui, mais enfin voilà, j'ai besoin de vous quoi. Et le mec m'a pris, tu vois, et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Mais c'est vraiment cet état d'esprit débrouillard. Je sais pas trop comment te le décrire. Je pense que c'est un truc qu'on reconnaît une fois qu'on le vit. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, ouais, c'est vachement bien de cultiver ce côté-là. C'est bien de cultiver le côté où on n'a pas peur de dépenser quand il s'agit de choses qui comptent. Mais aussi, c'est aussi très bien de cultiver le côté où t'as pas peur de te lancer même quand t'as pas les outils parfaits pour le faire, tu vois. Mon road trip en moto, encore une fois, le matériel, c'était des bouts de trucs quoi, tu vois. Mes sacoches, je les avais achetées sur eBay pour $40. Elles se déchiraient sur le chemin, elles se pétaient la gueule, tu vois. J'ai tout accroché avec des sangles. Tu sais, j'ai dû accrocher tout mon matos avec des sangles que j'avais récupérées dans ma boîte de déménagement. Je les avais volées, tu vois. Mais j'ai tout accroché comme ça et j'ai su faire les bons nœuds parce que dans les camions, tu sais, quand tu fais du déménagement, t'apprends à faire des bons nœuds pour pas que tout se casse la gueule et tout. Donc voilà, t'apprends vraiment sur le chemin, t'apprends des trucs magnifiques. Et même si t'en vois pas l'utilité, un jour, tu sais pas d'où, tu sais pas comment, mais il y a l'occasion qui se présente et tu peux mettre en pratique tout ce que t'as appris et que tu pensais
que tu pensais pas qu'il te servirait forcément, tu vois. J'ai un peu bégayé là, sur ce coup-là, mais voilà, c'est ça le message principal que je voulais te dire. On n'a pas pris de café aujourd'hui, mais je voulais te faire une petite balade. J'espère que ça n'a pas trop été shaky, tu vois. Et bien joué si tu t'es... Enfin, merci si tu t'es accroché jusqu'à la fin. Moi, je vais te laisser là, je vais rentrer. Je te dis à la prochaine, je te dis à demain pour le prochain Morning Coffee. À bientôt, mon ami. Ciao.